Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens fraîcheur, un gros coup de chapeau pour nous toutes. Nouvelle la tombée, ancien sénateur Guy Philippe, l'il a gagné une dernière nouvelle là, j'ai l'impression c'est ça, pile haïtien en Haïti, tant qu'on a diaspora à Tapton, pour remettre l'huile sous différentes révolutions, pour remettre l'huile dans moteur révolution. Qui ça bagaille l'en compatriotes haïtiens fraîcheur, ou pral gagner tout détail dans bon timamite, puisque ancien sénateur, c'est même qui pral di nou qui sa kap cuite, qui sa kap prepare. Yon lot bon, nou genye Premier ministre Gary Conille qui rentre nan peyi. Gary Conille, semaine nan se semaine investiture li, et déjà là, genye pile rencontre kap fait avec Conseil présidentiel transition pour yon rive monte yon gouvernement. Mais est-ce que yon te konne Haïtien Fraîcheur de choix Gary Conille? De choix Gary Conille en dedans Conseil présidentiel transition, genye yon motivation particulière? Genye yon bagay spécial qui fait se Gary Conille nèg yo choisi? Eh bien, bon conseiller président, qui lui-même, li pas kakembe encore, li vin bay tout détail yon nan bon timamite, ou pral konne exactement qui sa bagay lan ye. Mais jodi an la, haïtien ki nan diaspora, yo principalement États-Unis, bon réponse yo décide bay ak administration Biden. Jodi an la, compatriote haïtien fraîcheur, qui se dimanche 2 juin, sorti 2h PM pour arriver 5h PM, eh bien, gen plusieurs États aux États-Unis là, qui yon même yon mobilisé pour al bay Biden en réponse, pour al bay États-Unis en réponse, parce que Haïti c'est pour Haïtien, c'est Haïtien qui doit décider, qui doit connaître qui est ce moun yon vle pour mettre, pour diriger. Eh bien, rendez-vous en cassé dans Manhattan, rendez-vous en cassé dans New Jersey, rendez-vous en cassé dans Springfield, rendez-vous en cassé dans Savannah, li cassé dans Miami, li cassé dans Boston, li cassé dans Mount Olive, côté haïtien tout partout pral fouler béton. Gros mobilisation, gros manifestation programmée jodi an la, dans tout état sa yo nan États-Unis. Eh bien, soti 2h pour arriver 5h après-midi pour al di ba yo Guy Philippe, c'est Guy Philippe yo vle qui pou pran tête peyi an. Déjà là, mobilisation yo commencé, yo pap kampe, puisque Guy Philippe lui-même, li genye pou kite peyi an. Li pral fè le tour des continents. Et oui, Guy Philippe l'ap genye pou l'aller la Russie, l'ap genye pou l'aller sou continent africain, Guy Philippe l'ap genye pou l'aller en Amérique latine, Guy Philippe l'ap genye pou l'aller la Turquie, ki sa kap kuit, ki sa kap regle, compatriote haïtien fraîcheur, ou pral gen détail. Mais, fòk mwen di ou déjà, avec Gary Conille qui rentre là, compatriote haïtien fraîcheur, déjà là, il y a des bagages qui préparent, des bagages qui cuites. Parce que nous commençons à dépenser pile comme pour la boue. Nous avons même investi de fonction comme cap défenseur. Bon, on a regardé. Voilà, compatriote haïtien fraîcheur. Voilà, Gary Conille qui débarque dans la coupe pays d'Haïti. Premier ministre va descendre en viol. L'homme dit, premier ministre haïtien, il dit, pas qu'attendre l'ordre du premier ministre haïtien. Parce que moi-même, je ne pas connaître de grand premier ministre qui était le Gary Conille, etc. Bon. C'est international là qui mette le conseil présidentiel. C'est le conseil présidentiel là qui choisit Gary Conille. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, c'est le premier ministre haïtien lié qui a voulu le copain. Le même jeune pas voulu Ariel. Ariel fait plus que 30 mois dans ce pays. Hein? Et voilà, jodi an, nous pas dans Ariel encore, c'est Gary Conille. Le voilà. Gary Conille, dans ce moment-là, la reconnaissance avec moun qui est primature, moun qui a gagné probablement pour faire partie de l'équipe. Donc, c'est salutation d'usage. Je n'ai pas gardé le premier ministre démissionnaire, là, Patrick Michel Boisvert, qui campe côté. Bon, comment PM ça est là? Je ne comprends pas PM même dans le Patrick Michel Boisvert, il m'a pas comprendre ni Patrick Jean la lose. En tout cas, m'a pas dit plus papa. Et voilà. Donc salutation d'usage. Le premier ministre est dans la place. Nous pral suivre parce que le pral gagner pour le rencontrer avec l'état-major la police là, voilà. Il pral gagner DGLB qui là. Il va le rencontrer avec
DG la police inutile nous, France LB. Faire autre pour PM, non. LB va autre, non? Inspecteur général, DDA, Mathurin. Maintenant, la reconnaissance avec des séries de monde qui ont même dans primature depuis bien longtemps. Plus passe 20 années dans primature, yo pa jamais décidé à prendre retraite yo. Yo pa quitter place pour jeune moun yo travail parce que yo di code l'ombritio baptistère yo sous baptistère yo et bien gagné responsable primature qui écrit là-dedans. Voilà. Premier ministre Gary Conille kounya c'est rencontre qui gagne avec le conseil présidentiel transition hein? Parce que Gary Conille semaine ça même il décidé faut qu'il commence travail. Faut qu'il commence préparer pour le délivrer marchandise. Qui ça le pote dans Jacoutli? Est-ce que c'est agenda ça qui pral délivrer paysan ou bien est-ce que c'est agenda blanc Bali? Compatriote haïtien franchement. Voilà, c'est comme ça. Premier ministre Gary Conille lui-même li rentré dans paysan. Conseil présidentiel transition pas bon côté pa yo. Yo informé public là que déjà là gagné et en pile travail qu'a fait côté yo a analysé dossier diverses et personnalités et diverses catégories moun qui yo même pral gagner pour faire partie de gouvernement Gary Conille. Est-ce que moun sa yo a choisi yo sous mérite yo sous compétence yo ou bien soit compétence politique zami taille puisque même capable za ou pas qu'être capable et qui dans gouvernement Ariel Henry qui besoin à profiler ti corps qui des job qui des poste tellement yo sans honte. Tellement yo sans honte. Kouni a mta wè là dans nouveau gouvernement, mta dans gouvernement de rupture, kouni a pou mta wè même li prophète là comme ministre culture. Bon s'il pas ba rien pour justice, c'est qu'a décidé la ba en bail pour justice, mta madame ça ta retourner. Pour mta wè yo ta kembe LB toujours. Pour mta wè kouni a ta kon nouveau gouvernement qui monte, pour mta wè même ministre éducation nationale là. Même ministre travaux publics là, même ministre santé. Oh non. En tout cas, semaine ça, son semaine qui pral vraiment riche en information parce que investiture Gary Conille, monter gouvernement, donc son bagay qui pral aller rapide, qui pral aller vite. Pendant Gary Conille ak équipe li, yo préparé yo là pour yo mettre campé gouvernement yo. Pour yo vini là et parce que blanc déjà mette CP kounya gouvernement pral monter et blanc pa dormi dehors. Étranger ou pas dormi dehors, eh bien, compatriote haïtien frèchem, Guy Philippe dit lui-même, pour pays ça, pour peuple ça, pour révolution ça, il est prêt à tout. Et bataille, compatriote haïtien frèchem, il n'est pas campé. Ancien sénateur Guy Philippe, qui était dans un petit bas de bouche avec Abed, eh bien, dans le cadre d'une interview que l'on a réalisé, Guy Philippe, il a décidé pour l'adresser une autre fois encore avec le peuple haïtien et fait des révélations. Guy Philippe, journée aujourd'hui, c'est un lot Guy Philippe. C'est toujours Guy Philippe qui embrasse le mouvement révolution, mais c'est un Guy Philippe qui est beaucoup plus clairvoyant. C'est un Guy Philippe qui est beaucoup plus prévisible. C'est un Guy Philippe qui est beaucoup plus, comme tu as dit ça, qui beaucoup plus certain par rapport avec bataille qu'a mené, bataille entreprendre et avec peuple haïtien pour river craser système là. Compatriote haïtien frèchem, on a regardé tendez ensemble avec tout détail ancien sénateur Guy Philippe lui-même la baille sous voyage qu'a programmé pour quitter pays, sous bataille la continuer mener contre système là, des déclarations le fait sous sa cap cuite avec ambassade américaine ou pral gagner tout détail yo en nous attendez ensemble avec qui ça Guy Philippe lui-même l'hypothèse qui ça li a dit on reconnaît et la travail équipe la travail en pile et c'est pas tout temps pour dans radio pour nous parler pour nous faire bruit parce que n'a mené une bataille qui difficile qui raide nos bon système qui a pesé qui a soucé qui a crasé plus que deux siècles et système dans gain ambassade américaine oligarchie haïtienne nan, classe politique pourrie et la presse traditionnelle. Et yo gen l'argent nan men, yo gen pouvoir nan men, yo gen zam nan men, yo kontrole et question violence nan peyi a. Donc son gros bataille pour nous sauver peuple haïtien. Donc c'est ça qui fait nous aller lentement, nous aller bien parce que nous pressé. Soit nous aller parce que nous pressé. Faut nous prendre temps
faut avancer parce que nous pas permettre nous le luxe pour nous frapper bien pour nous camper mouvement peuple là et faire peuple a perdu en 50 ans en 60 ans encore. En parlant de système, on voit que le système s'est écrasé, j'en ai là. Oui, il a écrasé. Le système n'a pas paniqué déjà, il est déstabilisé. Et son système qui souhaite, c'est ça qu'il a présenté. Non. On conseille 9 membres. Pas un normalement, que tu as supposé dans le conseil présidentiel. Même pas pire, il n'y a rien. Souhaite, c'est le conseil de mon premier ministre. Qui va même avoir 4 électorales, qui va même avoir 4 identités, qui va même vivre en Haïti, qui va respecter aucun bagage dans la loi, dit où est que son système. Qui n'a pas gagné en pile option, qui n'a pas gagné route pas bois, il a tombé. Non, bon, mais son continuité, d'abord, même qui a fait un système dans là, de fait que, yo, non seulement, premièrement, il vient avec le conseil là, et ensuite, il vient avec l'ancien premier ministre Gary Conné, et on tout connaît que Gary Conné, son équivalent, pile connexion avec non seulement les Nations Unies et. C'est une tentative désespérée pour le système là, régénérer, reprendre contrôle. Même bon garanti, n'a planifié nous, n'a organisé nous, n'a les monde manifester, n'a manifesté, n'a fait un débat nous, mais système ça, il pas continuer à mettre pied sur Haïti. Système n'a crasé. Faut que bagaille changer, faut que gagne justice sociale, faut que nous bon pays qui puis juste, qui puis égalitaire. Il pas normal pour 90% dans misère extrême, tandis que 5% 10% à vivre dans luxe et qui criminel, si me cabrer comme ça parce que on monde pas capable accepter pour vivre en Haïti. Non luxe. On va bien mener tout le bagage en forme pendant que tout le peuple, tout le voisin a coupé nos misères. Le système n'a pas tombé, le système n'a pas crasé et même n'a fait avec intelligence. Parce que vous voyez que quelqu'un n'a pas envie que chaque semaine, Guy Philippe, là, le porte au prince, prend quelqu'un n'a pas bataille. Non, nous ne pouvons pas faire révolte. C'est mon révolte que je viens de faire. Je viens de prendre pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire ou bien un groupe armé. Je viens d'utiliser les armes. Je viens là pour me parler avec le peuple, pour me faire comprendre. Il faut que le changement en fait pour nous faire une révolution. Pour dans 5, 10, 15 ans, nous avons l'autre Haïti. Nous projetons, nous voyons l'autre image de pays noir. Et qui, justement, en parlant de révolte et de révolution, en 2004, par exemple, il y a un Guy Philippe. Et je dis en 2004, là, 20 ans après, il y a un autre Guy Philippe. Qui est la différence qu'il y a entre deux Guy Philippe ça? En 2004, moi, j'étais rentré dans un mouvement qui était là déjà. Ça veut dire le mouvement était un étudiant, Feu et Grafné, il était un groupe 184. Il y a plusieurs entités dans le mouvement. Moi-même, j'ai fait partie de mon mouvement. Il y a des gonaïves qui ont commencé avec la bataille pour l'amour et l'armée au Météi. Donc, ça veut dire que l'homme rentré, il y a plusieurs responsables dans le mouvement. Il y a des gens Capio, il y a Jean-Robert Lalanne. Donc, où sont tout le monde? Donc, je me bat en charge tout le mouvement, revendication que tu as fait contre Jean-Bertrand Aristide. Il y a un responsable, un groupe qui a des âmes, un groupe qui a et qui était le Front National et Front comment dire Front Libération Nationale non Front de Libération Nationale je déjà blaire tout le monde hier hier champion de rejoindre nous Tiwil Winter Etienne Buter Météi et puis paquet d'anciens militaires nous bataille pour nous renverser et en dictature ce que nous fait malheureusement et monde qui vient prendre pouvoir au blanc système là tant qu'il toujours fait il était fait en 86 il était fait tout le temps il gagne tant qu'il prend contrôle. Et puis il dit, mais ça veut dire qu'il y a la torture et puis il y a une bonne place. Il sauve le système. Mais dans l'époque, tout le monde pense qu'il y a une connexion à blanc avec cette banque d'ailleurs. C'est parce que les Haïtiens sont tellement venus qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Des choses que tout le monde va faire autour de ces blancs d'elle. Je devine là, pendant que je lance le mouvement révolutionnaire, c'est blanc. Ah, envoie lui. Ah, il y a une mission. Donc c'est comme ça, parce que les Haïtiens viennent perdre et confiance en tête. Ils pensent que tout ça pour faire, il faut que c'est blanc. Il pense que tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire rien, on ne peut pas prendre une grosse décision pour la nation, si ce n'est pas blanc qui est derrière. Donc c'est ça qu'il faut voir que le conseil de nègres sans légitimité, sans monde, ils cherchent une connexion blanc et puis ils assautent en pouvoir. Jean a assauté le jeudi à le palais national. Il y a un pile monde qui est en pouvoir, c'est blanc qui est derrière. Mais c'est le système. Le système, ça, c'est sur ça le basé. Le monde n'a pas besoin de rien que légitime. Il n'y a pas besoin. C'est seulement voler, qu'un des privilèges, continuer à craser et piller le pays. C'est ça que blanc pas même gêné pour le bon ça. Ambassade américaine, tout le temps parle de droits de l'homme, tout le temps parle de démocratie, tout le monde parle de respecter la loi. Où est ça le bon là? Il n'a pas respecté rien dans la loi Haïti. Il bon on bagaille 7 nègres. Montrez mon côté dans la loi Haïti, dans la constitution pays qui dit que nous avons bien ça là, qui a dirigé le pays. Là où il vient dans une situation de déconfiture totale. De système là normalement c'est à
peuple seulement c'est qui peut légitimiser un monde pour venir prendre pouvoir. Peuple a fait choix. Que c'est dans la diaspora, que c'est dans Haïti, ils ont dit mais qui l'y ouvre, mais qui Haïti ouvre. Mais l'ambassade américaine avait toute arrogance. Il prend quelques nègres dans CARICOM, ils ont voté et ils ont mis 9 nègres, tout qui était passé dans le pouvoir déjà, tout depuis 30 ans, c'est eux qui ont crasé le pays. Et puis ils ont pris des nègres qui ont crasé dans le pays, nègres qui ne peuvent pas gérer rien. Et puis ils ont dit, monsieur, venez le pays. 9 nègres, 9 présidents, 9 conseillers, combien? Chacun 11 conseillers, 99 conseillers, 99 machines de luxe, l'argent a gagoté, corruption totale, même dans le pays. Et tout le monde connaît, et même Blanc connaît, nous allons directement venir frapper nos amis. Ça n'a pas qu'à aller aucun côté. Dis, après 7 février, en fait, là où tu es, en prison, venir en Haïti, le ça, tu es en euphorie, tu es en pile de monde dehors, tu es en pile de monde, et qui croit vraiment dans ta tête que tu es capable de pouvoir de ça. Et premier gros, peut-être, Baron est retrait que vous avez fait, c'est 7 février. Peut-être en tête, vous avez pensé même que Philippe était en 2004 là, c'est lui-même qui a pris le vin, qui a pris les armes, qui a pris le marché sous Port-au-Prince, et vous avez marché sous Port-au-Prince sans pas fait. Je vous dis, là, il y a deux approches différentes entre l'approche que vous avez en 2004 et l'approche que vous avez en 2024. En 2004, nous sommes venus, et nous étions déjà pour nous prendre au pouvoir, pour nous faire une révolution. Nous sommes venus pour nous renverser son dictature et permettre pays à rejoindre le pli. En 2024, nous venons là, nous disons, nous avons une révolution. Et la révolution a commencé justement, le nous prenons le pouvoir. On va faire une révolution tout en beaucoup sous pouvoir. Nous travaillons pour nous arriver vers la révolution. Ma bon exemple, Thomas Sankara a commencé le mouvement révolution Burkina Faso en 83. On va essayer combien de temps, presque 40 ans après, un jeune garçon qui part même là, le monsieur voulait le mouvement, ça a fait une réforme sérieuse en profondeur au Burkina Faso. On va parler de. Jeune capitaine et Traoré. C'est comme ça. Donc, révolution, même le mouvement 2004, elle a commencé en 1999. Mais c'est en 2004 que tout le monde dit Noël, le fini arrivé net. Nous avons songé qu'après l'élection de 2000, 11 commissaires sont obligés de courir en exil. Parce que c'était un mouvement pour changer les bagailles, parce que nous avons accepté Jean et le président Aristide de gérer et diriger le pays. Donc, mouvement révolution printemps. Mais est-ce que vous pensez comme Sindazo? Et guerre dialectique là, parler à, il suffit pour prendre pouvoir ou bien pour qu'il y ait un changement vraiment. Oui, nous avons deux gens qui prennent pouvoir actuellement pour nous faire une révolution. C'est ou bien le peuple là-bas, il est en Sri Lanka, le peuple là-bas, la rue campé face à tortionné, tout le monde qui a tiré sur lui, mais il n'a pas peur, il n'a pas fait lâche, il est campé et il envahit le palais national, il envahit et primature, et il dit mais quel type de gouvernement le il envahit la rue tout côté dans le pays, il dit mais qui ça a revelé, il est fatigué avec l'ingérence américaine. Parce que, pas de tête de menti, tout le plus gros frein pour le développement en Haïti, c'est l'ambassade américaine. L'ambassade américaine, c'est le plus gros frein pour le développement. Et je ne suis pas anti-américain. Je ne suis pas anti-américain, je ne suis pas contre américain, je ne suis pas contre canadien, je ne suis pas contre France, je ne suis pas contre Chine, je ne suis pas contre la Russie. Seul ça, moi-même, je vais essayer de voir qui pour le peuple sortir dans la misère qu'il y a là. Et je dis à l'heure, bien analyser tout le bagage. Le plus gros frein Haïti qui est en face, c'est l'ingérence que l'ambassade américaine a fait dans les affaires internes du pays d'Haïti. Vous avez parlé de. En fait, là, tu as un momentum non plus. Tu as parlé d'un certain amnistie pour gagner. Comme moyen pour que nous nous la paix, pour nous pacifier le pays, etc. Sans nous pas obliger bien force étrangère qui vient dans le pays, nous te jouons une autre solution. Et c'est de monde où tu as parlé avec eux préalablement ou bien pour penser qu'il était rentré dans la logique pareil. Pour finir pour nous première question, déposer la question et 7 février et attendre le peuple là, oui, le peuple a été attendu, mais sous songer. Depuis le premier jour, je parle de révolution, je dis que c'est une révolution pacifique. Nous n'avons pas gagné aucune autre révolution en Haïti. N'importe l'autre gens fait le système n'a pas pris la main. Nous prenons des armes, nous prenons le national, le système n'a pas mis de pied sous coup, nous prenons. Nous n'avons pas plus d'armes que les Américains, nous n'avons pas plus de force que les Américains, nous n'avons pas plus de criminels que les États-Unis avec tout groupe qui a crasé Haïti depuis combien de temps. Donc, si on prend un bout d'âme pour aller au pouvoir, il y a pris un bout d'âme, il y a déstabilisé. Seul gens qui ont pris un pouvoir, c'est le peuple qui a boli. C'est ou bien le peuple a boli, j'aime là, ou bien le boli tant que le Sénégal. J'aurais monsieur Sénégal, commencer la révolution là, je dis là, et essayer de libérer le Sénégal de l'emprise et la France. Donc, c'est comme ça seulement qu'on a fait la révolution ça, en Haïti. Avec âme, il n'y a pas bien de aucun côté. Aller pour un âme, pour un groupe armé, rentrer dans le palais national. Nous avons fait des choses qui viennent bon pour 10-15 nègres qui sont dans tête mouvement, qui font l'argent et qui sont à l'école, qui sont en exil. Mais si c'est pour nous changer la société, si pour nous changer la structure de l'État, si pour nous venir à Haïti plus juste, plus égalitaire, c'est deux gens seulement qui ont fait. C'est à la Sri Lanka ou
suivre l'exemple et Sénégal. Là. Pour question amnistie, je ne dis pas que je amnistie pour gang. Je dis que je amnistie. Et je pense que amnistie pour nous arriver dans la réconciliation nationale. Si vous nous arrivez sur la route que nous voulons, il faut que vous amnistie. Je dis amnistie, ce n'est pas pour gang. Et je m'explique bien, ce n'est pas pour gang seulement. Je dis que je amnistie pour tout le monde qui connaît au fait pays à tort. Pour nous venir faire sacrer les boron et Quenta Nueva. Nous effacer le tableau et puis nous allons recommencer sur l'autre bagaille. Moyennant que nous mettons balisio pour même des zones qui étaient faites, qui l'a gagné dans tout ça, pas retourner faire encore. Qui est-ce qui gagne? C'est l'injustice sociale qui gagne. Qui est-ce qui gagne? C'est la misère qui gagne. Tout le monde met parler. Oui, non, Haïti est toujours pauvre. Non. Misère extrême, ça, les menins à côté de là. Nous désunis, nous ne sommes pas encore. Les gens qui dirigent en Haïti, c'est voler seulement, c'est prendre l'argent, riche, acheter un appartement dans l'autre bord. Regardez comment ils ont écrasé tout le bon pays. Premièrement, ils volent comme dans la question coopérative. Deuxièmement, où Gauthier avait aidé nous avec un bar écrit les Pétro-Caribés, ils ont volé comme là, ils ont dilapidé tout comme là. Troisièmement, après le tremblement de terre, ils ont donné 2 milliards encore. Ils ont volé la fondation et M. Gosoto dans l'autre pays avec Haïtien. Ils ont volé tout comme. Et qui ça a fait avec plus de 15, 16 milliards de dollars? Et l'on prend tout le bagage, qui ça va faire avec elle? Quelques tentes, quelques bouteilles d'eau, quelques sacs de riz, et puis crier dans la télévision, passer mon entête. Mais gang là seulement, c'est donc, amnistie. D'abord, même, c'est pas misère seulement qui crée gang là. Parce que... Attendez. Misère crée conditions pour jeunes dans une zone défavorisée, accepter. Le politicien vient devant les balzam. Okay. Le ambassade de l'avenir, le balzam. Le l'autre groupe qui gagne l'autre bagage intérieur, député, sénateur, président, premier ministre. Parce que gang en Haïti, c'est depuis 1994, 1995, il y a armé jeune garçon. Et nous avons allé avant, depuis sous avril, nous avons commencé à faire des dérives avec Zenglendo. Et puis avec le président Aristide qui vient faire et question de l'armée rouge dans la Cité Soleil. Tout nous tous songé, ça qui est passé, Marie-Christine Jeune, policière que, qui parle de les bandits, mais ils ont assassiné. Nous tous connaissons l'armée de manchette, nous entendons tout le bagaille. Tout président depuis 1995, depuis les derniers 30 ans, ils ont tous participé dans l'armée Moun. Tout participe dans le monde, tout le monde qui est sous pouvoir, il a toujours participé dans le monde. Donc, il y a fait corruption, il a mis dans pauvreté extrême, dans misère extrême. Donc, là, il vient d'examen dans le monde. Bien sûr, quand il y a Zel Sapat Matisse, ou bien Zel Sapat et quoi des bouquets, ou bien côté, c'est qu'il y a une âme qui coûte 5-6 000 dollars américains, puis il y a des centaines de âmes. Quand il y a une munition, quand il y a un contact, ça. Facilité. Là, il faut kidnapper une pétition de l'autre côté. C'est un gars qui kidnappe le monde et puis il faut que tu aies un gars. Donc, je ne parle pas d'amnistie, je parle d'amnistie pour nous rescuer les gens qui ont sauvé Haïti sans qu'une balle non guerre civile. Parce que l'amnistie n'a pas parlé à la. Il y a plusieurs étapes. Il y a la commission vérité. Pour jouer l'amnistie, il faut qu'on passe devant la commission vérité. Il faut qu'on explique qu'on joue Zamza. Il faut expliquer l'argent plutôt qu'à Ibo volé, à côté de Métil. Il faut expliquer Kaïsa ou qu'on gagne, comment on fait gagner le coût de l'argent. Ou mettre les Haïtiens l'argent, suspendre faire kidnapping, suspendre tuer les gens, ou mettre des armes illégales qui sont dans mon nom. Le ça, l'État lui-même a considéré, pardonne, c'est ça que l'amnistie a. Mais il faut passer devant la commission vérité, il faut passer devant la commission justice, parce que l'offre de vérité a pour dire, même si on fait, ou reconnaître qu'on est coupable, mais tout le temps fait vivre, il a dit, mais ça la justice dit, mais ça la loi dit, mais la loi a bonne chance, sous collaborer, sous aider nous comprendre le problème, la complexité du problème, sous aider nous faire comprendre qui est-ce qui bosse comme ça, comment l'autre tuer mon nom, l'autre kidnapper mon nom, qui est-ce qui nous coûte l'argent. Vous avez commencé bien le dialogue avec ça, non? Non, moi-même, je ne vais pas publiquement. Je dis que moi, je suis ouvert pour n'importe quel monde. Quand je ne vais pas là-bas, si je vais ouvrir les je dis à la mettre les si ils ouvrent les je dis à la mettre si Aristide ouvre les lèvres, si Maté ouvre les lèvres, si ils ouvrent tout les parce que ont tout contribué à mettre Haïti côté de là. Pas qu'aucun nègre qui est responsable, qui est président, qui est premier ministre, qui est ministre, qui est directeur général, qui n'est pas complice. Dans ce qui a passé aujourd'hui, là, dans l'insécurité qui est dans la rue. Donc, je ne vais pas venir prendre pause. Oui, Guy Philippe dit la amnistie pour gang. Non, je ne vais pas dire. On fait un petit campé là, compatriote Haïti Fréchem. Et ça, c'est une bagaille qui peut faire mal. Là, on regarde les journées aujourd'hui. Et même les gens qui participent à créer l'insécurité 10, 15, 20 dernières années, c'est même eux même encore. Qui là qui continue à renouveler le système, qui continue à faire machine et sécurité à marcher, qui continue à mettre l'huile dans le moteur machine et sécurité, c'est même le même système à régénérer. C'est même le même système à dire aujourd'hui, c'est eux qui a joué une solution à ce problème. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui créent le problème qui fait le système, mettre le système parce que c'est eux qui a joué une solution avec lui?
ou bien c'est façon parole pour dire peuple haïtien nous pas les droit décider mais qui est nous mettez pour décider pour nous pour décider dans place nous parce que journée aujourd'hui en compatriote haïtien frère nous pas capable encore vrai nous pas capable encore nous pas continuer Jean pays en parler là donc et il est extrêmement important pour nous poser problème pour nous chercher à la base qu'on est réellement problème social ça yo problème insécurité instabilité jeune femme jeune garçon dans gang et facilité nèg yo gagner pour rentrer pour multiplier groupe gang yo qui ça qui à la base problème social qui ça yo est véritablement et pour nous toucher problème yo à la base est-ce que nous comprenons on avance maba merci pour tout le monde parce que c'est ça son route pour nous faire pour nous sauver Haïti même gens l'autre pays tu gagne courage Mandela tu gagne courage pour le bail amnistie bail nèg ça tu traiter nèg noir en Afrique du Sud tant qu'un chien qui t'est tué qui t'est écrasé qui t'est bombardé l'école ti monde Mandela pour sauver Afrique du Sud dit bail amnistie pas vrai parce que c'est ça moment demandé Henri IV Henri IV en France le catholique protestant tué des milliers de monde il va bail amnistie avec les dix de Nantes en attendant amnistie dernièrement la nèg Salvador président Salvador il va bail amnistie Libre amnistie. Amnistie, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui fait Haïti tort. D'abord, même, qu'est-ce qui fait Haïti plus tort? Iso ou bien le président, le premier ministre? Gang, nous sommes dans la rue aujourd'hui avec examen, jeune garçon, jeune femme, ou bien monsieur qui a une responsabilité pour créer des conditions pour Haïtien vivre bien dans le pays. Nous ne pouvons pas pardonner, nous avons fait des crimes qui sont impardonnables. Prendre la famille, tuer ou bouler nos machines, sans raison, ça, c'est des crimes impardonnables. Assassiner deux personnes qui viennent aider, essayer d'aider nos orphelinats, ça, c'est impardonnable. Mais c'est pour nous poser une question, comment faire arriver là? C'est mauvaise gouvernance, c'est corruption qui mène nous là. Tout autant nous pas assurer que nous finissons la question de mauvaise gouvernance. Tout autant nous pas assurer que nous mettons frein à la corruption et nous mettons frein à l'ingérence. L'ambassade américaine dans les affaires politiques en Haïti, n'a toujours tombé côté de nous arriver dans bien là. Je dis à un pays côté toute structure de sécurité sous compte étrangère. L'ambassade américaine, c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met le ministre, c'est lui qui met le premier ministre. Nous sommes tous salvés là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun monde ne peut dire rien. Si nous ne mettons pas un frein dans une mauvaise pratique, ça. Vous mettez le Kenya à Bin là, tout le monde a venu, après 2-3 ans là, la situation n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille avec gang, il n'y a pas de bataille avec groupe armé. Si on n'a pas de bataille avec groupe armé, il n'y a pas de bataille avec gang. Et pas de gang qui va lui mettre les armes. Donc là, au final, dans 2-3 ans, Haïti a tombé dans un trou pirate. Chaque jour, nous avons un trou, c'est pour nous assurer comme peuple, comme nation, nous mettons des conditions, madame Douane. Nous disons, ok, mon autre chance, nous baillons toute société. Nous disons, même, vous avez volé comme Petro-Caribé, ou avez fait une équipe faux, bagaille, ou prenez l'argent, nous prions pour nous donner. Moyennant qu'on remette comme ça. Ou avez volé comme tremblement de terre, nous prions pour nous donner. Moyennant qu'on remette comme l'ordine, comme l'aïe. Ou avez assassiné, ou avez kidnappé, ou avez gang, nous prions pour nous donner. Dis-nous qui est-ce qui est bon, Zamza. Dis-nous qu'on joue Zamza. Dis-nous l'argent qu'on fait à côté de mettre. Dans qui banque, qui structure et qui met sous place pour une bonne munition. Pour nous comprendre le problème, pour nous entrer dans la profondeur du problème et pour nous résoudre le problème. Okay. Donc c'est ça qui est amnistie. Ce n'est pas impunité amnistie. C'est bail pays en chance pour le vivre. Et amnistie n'est pas pour gang, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, je me dis, les politiciens font pays à plus mal. Ancien président, ancien premier ministre, ministre de l'Union fait pays à plus mal que gang. Donc c'est pour ta compte amnistie. Et pour la plus bon. Élection fine faite. Ou élu, même avant de prêter serment, donc il y a une arrestation qui fait que arrêté maintenant aux États-Unis. Qui expérience tout le temps ça a fait dans la prison aux États-Unis? Qui l'autre Guy Philippe que nous avons aujourd'hui? Bon, je pense que l'arrestation, je ne vais pas faire. Il faut que tu fasses parce que tu as peur. Tu as peur de discours, non? Puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que tu as fait de toute façon. Je vais juste retarder. Elle. Parce que depuis les samedis clairs, et même ils ont non qu'à partir des discours en Haïti, mais eux même ils ont entendu, ils ont analysé. Moins clair depuis les ça, faut qu'il y ait justice sociale, faut que le pays a changé, faut que structure l'État a changé. Donc blanc avec complicité en Haïti traite de l'intérieur, ils ne vont pas comploter pour faire ça offert. Ils ont dit ils ont comploté Guy Philippe Guémanda, même tout n'est là. Bon, ils ont dit Guémanda, ils ont pas qu'il vienne dans des CPJ. Coute Manda, ils ont dit Guy Philippe c'est drogue dealer. Coute drogue là. Puis ça c'est pour l'argent, comme vous dites c'est l'argent. Trop l'argent gagne. Coute l'argent. Ils ont pas qu'à payer 1 $. Il va pas montrer un bout de drogue, il va pas montrer un rien, nous kidnappons un sénateur. Prenez à moi. Mais où te plaider coupable? Est-ce que son stratégie pour ça? Ou pas capable de plaider coupable parce que c'est ça arrive, c'est pas tant qu'à preuve. Ça, exactement. J'ai prend l'argent, j'ai présenté le avocat là. Il dit c'est tant qu'on fait on conspire ici. Avait dit on conspire avec l'autre monde pour te faire mal. Pour te guider des monde qui est dans drogue qui dit yo ba Guy Philippe Cob. Ou pas contre pour ça retirer charge
drogue. Et puis on dit ok, non, c'est là qu'on gagne. Tout le monde finit, il finit pour moi. On dit que Philippe, drogue, dis-le, go, drogue, dis-le. Quand on est aux États-Unis, on dit nous allons dans le jugement. On connaît les bagages, il faut que vous bon, faut que montre qui pourrait gagner contre vous. Oui, parce que. On dit oui, là, on est commandé au Cap. Le 13 janvier, avec le 7 janvier 2000, avec le 13 janvier 2000, et date ça plus ou moins. Et comme ça, en semaine, il y a tel bateau qui est aux États-Unis. Là, je dis c'est dans le bureau, même il y a aller devant, il y a beaucoup bon, pour mener drogue là aux États-Unis. Mais ça, on va te connaître. Moi-même, moi, j'ai un passeport. Je fais tout le mois janvier 2000 aux États-Unis, parce que petit mois d'après. Et je suis allé dans l'accouchement. Mais c'est bon, si on peut défendre de gain. Non, on a un avocat. Donc, quand il y a un avocat, je dis avocat, ok, mais un passeport, je pour en 2000, c'est pas là. Comment on fait là? Et puis, on est allé dans le bureau, personne ne me dit. Et c'est seul ça, on a et puis on vient dire non, ce n'est pas la drogue, c'est l'argent. On prend l'argent dans mes drogues, l'autre commandant. Qui est qui beaucoup de l'argent? Jusqu'à présent, au Sojé Bank. Sojé Bank, comment encore? Rapport dit que je n'ai pas 4 dollars. Al Sojé Bank, nous-mêmes, c'est les journalistes, Al Sojé Bank. Al Gade pour essayer de faire un seul côté de 3 millions de dollars américains. Un seul jour. Bon, ok, si je joue 300 000 dollars américains, bon, ok, je vais mettre condamné. Quand il y a un avocat là, dit comme ça que il faut prendre plia. Ou pas qu'à gagner. Ou pas qu'à gagner en conspiration. Charge ça, c'est nèg démocrate qui vient avec en 1995-1994 qui mettait le plus crasé nèg noir aux États-Unis. Depuis qu'il y a une conspiration sur vous, n'importe nèg qui prend la prison, il dit ok, viens, dit oui. Dis où t'es contre monsieur. Il n'y a pas besoin aucun preuve, non? Deux mondes. Et l'autre, il y a une conspiration sur moi, il prend n'importe 10 nègres en Haïti dans la prison pour dire ok, oui, nous allons diffuser. Généralement, le public attorney, ça nous est les. Public defender? Non, public defender, c'est avocat, l'État metté à la disposition. Ah, on parle. On parle de attorney général, là, c'est okay, comme okay, si on a du commissaire. Prosecuteur. Oui, prosecuteur. Yeah. Le offre plus bargain, là, c'est comme si on a du gain en pile preuve. Il connaît que vous n'avez pas qu'à défendre vraiment ou bien. Donc? Généralement, c'est ça. Non, elle comprend. Vous connaissez la loi, elle va basée sur la loi germano-urbanique, c'est sur la jurisprudence américaine. Donc, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de rien. Depuis, il y a deux mondes qui disent oui, mais ça a été fait. Ou pas même besoin de prendre mon nom, il y a pris d'anneau. Quand il y a l'ordre dans la prison, qui traitement est-ce que il y a des gens qui viennent parler avant, qui viennent dire des bagailles comme si nous avons de l'autre bagaille? Parce que, pour juste qu'on y a en Haïti, mon toujours bon doute puis dit Captain est-ce qu'elle a dit à Guy Philippe est-ce que le bon mission est-ce que d'accord pour le fond bagaille le tourner qui comment traitementer eh bien si mais on a une mission pour me faire une révolution météo dehors dans pays bon mais tout qu'on a quel que soit ça dit au monde là comme si mon n'a toujours gon va en tête lui mais comment traitement était généralement là dans prison bon sont prisonniers mieux traité dans prisonnier mais ça qui passe tout prisonnier pas tout même traitement ça dépend en moyen et vous gain moyen dans quel que soit pays ou qu'on fait prison en plus bien qu'on l'autre ou qu'on achète téléphone ou qu'on gagne tout ça bien ou qu'on mange plus bien d'ailleurs dans prison par exemple c'est pas tant prison Haïti il y a des marquettes yo ou qu'on achète belle tennis ou achète tout ça pour manger ou gagne microwave ou gagne ou gagne toute bagaille toute prison va même traitement et ça dépend de pour qui sont dans prison prison États-Unis c'est comme ça en tout cas dans tout ça moi côté me dire là moi bien moyen de prouver pour vivre bien ou vivre bien dans prison et c'est comme ça on fait même respecter mon la d'ailleurs policier même capable à vol dans prison. Au moment où ils font comme ça. Donc, pendant qu'ils ont fait tout des autres en Haïti, quand on arrive là, ils ne peuvent pas faire même des autres là. Mais ils sont condamnés au mal. Ils sont grâce parce qu'ils contrôlent le système. Ça. Juge Ali, ils ont fait un petit ils ont 50 ans. Parce que c'est les grands mondes, ils ont enlevé. Là, c'est dans ça qu'ils prennent les nègres noirs avec minorité des États-Unis, ils ont crasé, ils ont pris gel. Mais je dis à moi, je défie les États-Unis. Je défie eux, je dis publiquement. Et je dis, prouvons les choses dans ça, je dis contre moi. Pourquoi ça ne va pas faire? Non, on aurait été dans le traitement. Est-ce que pas qu'il y a aucun traitement et est-ce que tout prisonnier traité dans la prison qui viennent pas la voix tout prisonnier traité même genre États-Unis il respire d'ailleurs pas même cavale même du police pas même cavale la voix police elle pas même cavale la voix il pas même toujours comme ça non mais Guy mais donc pour ça on change de méthode c'est bagarre politique ou bien des bagailles sous dit son conspiration ou bien c'est oui il dit conspiration bagarre mais après ça en cachette ou bien là ça on voit des monde qui viennent pas la voix qui dit comme ça etc. And then non, tout le monde a été là pour poser. Il y a une télévision, dans Hollywood. Non, mais. Pas de bagaille comme ça, Roger. Comme si on finit plus, j'ai pas nous et pour tout, ça pas gagné. Qui ça a été fait? Comment t'as fait? Légalement, comment? Attendez. Et par États-Unis, et par Haïti, États-Unis, si tu as fait mon seul jour, je me suis dit. Et puis tu as fait mon jour, vous devez. Non, mais. Le fait que son complot qui fait tout. Ok? Parce que. Il fait un complot, mais il faut que tu aies une base. Il a campé son bagaille, il dit, ok, c'est comme tu as gagné bagaille. Il a campé son base. Quand il y a l'air, on finit. Qui ça au cap dit encore? Non mais le fait que son complot était fait sur Gombaï que était peu avant.
Mais qu'on y a l'offin là, qui qu'on y a là. Parce que vous habitué à Haïtien, depuis blanc parler, blanc arrêté Haïtien, Haïtien fini. Combien de monde qui t'a pensé que je suis venu là, je viens parler en Haïti? Ah, la pelle, pelle blanc, bagaille blanc, 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 gazé, la tournée coco belle, pas même cabalé. Et ça, tout le monde est là. Il y a ballon piqué. Tant que vous regardez Hollywood, oui. Tant que vous regardez le film. Non, mais vous pensez que c'est un débat qui compte fait réellement? Ouais, mais on même debout prendre toutes mesures. Ah. On met fond on et bagaille pour pas aller dans l'hôpital. Les relo pour venir prendre piqûre, pas prendre piqûre, pas prendre graine, ou pas manger non mais n'importe qui gens. Qui ça va voir? Il y a grand pile monde qui pense que l'autre tourne en Haïti, tu vas le poser. On va poser là. Non, ça me dit l'homme dit poser, ça veut dire pas dans politique encore ou après régler affaire ou ben ça ou pas dans spot là, pas y monde qui t'a connait vieux. Donc pour me poser pendant que peuple mourir en misère. Pour me poser parce que tout le monde va à l'école, c'est-à-dire que tout le monde va à manger. Pour me poser, les grands monde viennent faire toute vie, ils travaillent. Quand vous arrivez 65 ans, il n'y a aucune politique. L'État pour aider les grands monde. Et vous faites toute vie, ils travaillent pour l'État. Ils font agriculture, ils n'ont pas aucune assurance sociale. Ils ont la fièvre tout. Pour me poser, mon femme, si l'enceinte est éclatée, s'il mourit, là, c'est celle qui est deuxième commune dans la grandeur. En superficie, en population. Ou pas même bien, ou pas même faire un éclampsie. Il va même quand tu es dans l'éclampsie, si tu es dans l'éclampsie, c'est vrai, local ou bien pour le jeune. Alors, devant toute bagaille, ça, devant toute injustice, ça, vous n'êtes pas rentré dans la caille au Chita, comment tu as senti? Je connais et pas style, moi. Il y a un moment qui est selon ça, la presse t'a montré, et selon ça, il t'a montré, où tu es dans une conversation avec Moïse Jean-Charles, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, et nous t'es même peut-être. Commencer à dialoguer son éventuelle peut-être alliance entre guillemets. J'aime des cas et dès le départ, on était contre le conseil présidentiel là, le sénateur Moïse Jean-Charles Doux, dans l'époque. Et finalement, ils font virer, lui, aller vers le conseil là. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une sorte de trahison ou bien? Bon, moi, c'est si le sénateur a fait une trahison, il tête le trahi. La révolution pique dans tout le monde. Même moi-même qui viens avec Moa, si je fais un macaque, révolution a mangé, je vais passer sur moi, je vais continuer. Parce que grand pile monde dans la population est d'accord. Grand pile monde dans la population comprend. J'ai la population ouverte. Il faut qu'il y ait un changement réel qui fait. Donc c'est le sénateur lui-même qui a dit pour ça le fait et coupe ça. Seul ça m'a dit que révolution a privé côté pour le rivière là. Et tout le monde qui fait coupe, qui vend dans la conscience, pour l'âge, ou bien pour le privilège, qui pense qu'il est intelligent, m'a dit au peuple pas qu'on perd du bataille. Peuple haïtien a gagné bataille ça. Et révolution, c'est bataille peuple haïtien. Et bon, je dis à gagner une structure qui mettait en place. International Ankadi mettait une structure ça là en place. Et gagner un premier ministre, gagner un président conseil. Et bataille ou aller même entre temps à continuer. Premièrement, vous faites blâmer parce que vous êtes arrogant et surtout parce que vous êtes haïtien bien. D'ailleurs, c'est ça que vous mettez dans la logique pour nous venir accepter ça vous faites là. Insécurité n'a vivre en Haïti, son insécurité organisée, supportée, encouragée par toute élite haïtienne corrompue et par un paquet d'ambassades en Haïti. Tout le monde connaît. Pas gen youn là dans l'ambassade dans Bayo, dans gros secondaire qui va en contact avec monsieur et quartier populaire. Les pour relé yo, les pour voyer signe nan loi yo et faut que ça loi n'importe Bayo aller contre qui j'en pour faire puis aller pour donner. Donc tout ce qu'a fait Zam ça ba munition ba sorti monsieur ça a fait que comme ça a fait tout ce qu'a fait là c'est n'a victime pour même raison République démocratique Congo a victime ressources nous ça n'est dans sous-sol tout ça qu'a fait là il y a des zones qui gagne moun que nèg besoin vinn fouiller pour vinn voler et seul Jean Brofel pour qu'a faire bien c'est mettre moun ça dehors après c'est ça a fait vous pensez que tout petit caïboy porte yo t'a craser douce la gang vous pensez il était nécessaire yo besoin zone là yo prend pour y aller fouiller, pour y aller voler. Il a besoin de Matissan. Il a besoin de tout côté de richesse. Nous avons l'iridium, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons l'or. Et nous avons l'autre bagaille. Ils veulent continuer, piller, voler, déchirer. Et ils ont organisé, ils ont fait mon bac à vivre dans le pays, puis ils ont mis deux dans la zone, ils ont même venu exploiter, ils ont voler. Ou après, ok, qui politique ça est pour ta dire que oui, ils ont dit bandit a boulé toute la ville. Qui raison? C'est moun qui veut mettre deux. Et c'est blanc qui a la tête, bagaille ça. Donc nous avons souhaité que la société haïtienne dans l'OVG comprenne la complexité de la bataille que nous avons menée là. Parce que ce n'est pas facile. Mais le peuple n'est pas perdu. Il y a un peuple puissant. Nous connaissons une pile puissance, mais il n'y a pas tout puissant. C'est le seul peuple qui est tout puissant. Donc encore une fois, je vous dis à la, quittez-vous mettre conseil, quittez-vous faire des zones, quittez-vous faire macaque.
peuple a bail pouvoir à mon qui bail pouvoir ou bien gens au bail Sri Lanka ou bien gens au sud bail Sénégal là ou bien c'est peuple qui pour aller qui a bail pouvoir Joël bail Sri Lanka retirer dans même mon niveau yo ou bien la bail Joël bail mon niveau yo dans Sénégal. Si on met des conseils là, sans doute conseil de transition, sans doute pour gagner l'élection ou on se prendre l'élection si on fait l'élection. Moi nous équipe politique nous avons une plateforme et c'est ça nous a discuté et là nous prenons une décision. On a fait tout le monde connaît. Même Gabdou, une équipe qui travaille. Nous avons une délégation qui est en Afrique actuellement là. Nous avons une délégation qui est en Amérique du Sud, que nous voyons en Amérique du Sud. Et moi-même personnellement, je voyage mal en Turquie, mal en Russie, mal en Afrique. Guy, tout à l'heure, où tu parlais de. Ou parler dans tout ce qu'on parlait de corruption, de mauvaise gouvernance. Ça a aussi des bagages qui empêchaient Haïti marcher. Et de fait, c'est eux qui empêchaient Haïti marcher. Où tu es élu sur le bouclier? Okay? Non. Sous consortium. Sous consortium. Et bon, en fait, on va demander qui relation vous avez, par exemple, avec les partis politiques, le bouclier, PHTK et même consortium, je dis. Et il y a plusieurs rapports que le Cour supérieur des comptes sortis qui montrent que Gabji a fait mauvaise gouvernance fait, et toute corruption fait. Qui distance ou bien qui relation que vous avez avec les gens de partis politiques, ça, ou bien plateforme ça? Moi, je vous dis, c'est peuple qui se l'a dit. Okay. Ben l'autre allié qui peut pas ici. On mon ou du ou mes peuples là, ou voulez chiter avec ma chiter avant. Mais le jour où montrer mon pays mes peuples, mon pays là, bah pas voir. Je suis seulement loyal à idée, bah loyal à mon. Si mon a pensé la vine bail coup, la vine faire bagaille, nous lit trop, nous comprenons politique trop pour nous apprendre un coup. Mais qui est rentré dans la révolution, pensez les absentis a craser mouvement, et t'as perdu, y a pas qu'à craser mouvement. Parce que nous lit. Nous avons sacrifié Thomas Sankara, nous avons fait confiance. Nous avons sacrifié l'autre nègre, l'autre leader, nous avons fait une équipe de confiance. Donc ça permet de comprendre la réalité, nous avons fait des salines, nous avons fait tout le nègre. Ça permet de comprendre plus. Et là, vous pensez qu'il y a une top, il y a un mouvement peuple, c'est le temps qu'il y a perdu. Donc si il y a une élection, si l'équipe politique veut gagner l'élection, je connais ça pour nous faire. Moi, j'ai une bonne relation avec M. Consortium. Je suis très proche de Jean-Tel Joseph. Nous parlons chaque jour. Il y a un réveil. Et que nous sommes très proches. Nous parlons. Nous discutons ensemble. Nous sommes très proches avec l'ancien ministre Nader, l'ancien ministre Vincent, qui était sous-président Jovenel et Moïse. Donc, nous parlons ensemble avec eux. Donc c'est avec mon nom balim parler avec les structures politiques qui ont fait partie ou bien là, parce que moi-même je connais seul bagaille c'est bataille peuple là et bataille peuple là je dis c'est une révolution là. Qui sont pensés de classe politique à Haïti? Je peux vous parler de tête yo bien oui là non ou bien ça avec que fait ils prend tout corrompu tout volé ils mettent yo tout dans conseil une bagarre dit non ou après que vous mettez dans équipe noire réveil démocratique non, pas de ouais même moment dit non et dans demain on obligé retirer ils nous dit non nous pas dans démagogie ça nous pas dans vagabondage ça. Non, nous sommes là. Nous sommes là comme entité pour choisir le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contacter dans CARICOM, etc. Il y a avec plusieurs représentants. Il y a parlé avec Réveil, et structure Réveil là. Il y a parlé avec porte-parole, il y a parlé avec le monde en pile. Et que même position ne va pas changer. Position ne va pas changer. Ni CARICOM, ni États-Unis, il n'y a pas aucune autorité légale pour venir imposer ça sur les Haïtiens. Surtout en formule que vous n'avez pas marché. C'est KOA, vous besoin de faire plus, c'est continuer à piller, continuer à faire des ordres, puis continuer à voler tout ce qui est dans son sol. Comment je vais entrer dans ça? N'importe qui où est entré dans le conseil ça, connaît son demi-monde, son monde crochilier. Pas un monde sérieux qui est dans le conseil ça. Pas un monde sérieux qui est rentré dans le conseil présidentiel ça, pour dire oui, c'est un vent à vie d'Haïti, c'est pas vrai, c'est voler. Le Ariel Henry, qui était deux pays, un peu le monde est passé, c'était un bon moment, comme si pour. Moun te prend zam, etc. Pour pouvoir. Pour pouvoir, comme ça. Et ça, blanc à colis de vle. Même dans la presse, on ne va pas rendre de yo. Faut que Philippe mette pied à terre, faut que Philippe vini. Comprenez à faire comme ça. Il y a besoin pour nous faire un mouvement armé. Là, on connaît que les États-Unis contrôlent les polices nationales, ils contrôlent l'armée d'Haïti, ils contrôlent les M. Hamel, ils gagnent toutes les armes. Ils pensent que nous capons les États-Unis avec zam. Pour nous caser le système, ça, nous ne pouvons pas caser l'examen. Dans pile monde de la population qui te pense, tu vas faire mouvement. Si le peuple a fait confiance, si la jeunesse a fait confiance, si la diaspora a fait confiance, moi j'ai une responsabilité pour me penser, pour me travailler avec la tête, pour mener au côté où je dis, je veux pour mener. Quel que soit l'agent, si nous prenons le pouvoir, l'examen, nous sommes rentrés dans le palais national. Il y a presque ouvert pour nous, pour nous aller. Et puis tu as tout crasé le mouvement dans le jeu. Vous pensez que nous avons un monopole de violence devant le monde? Vous pensez que nous avons rentré pour nous faire des choses comme ça devant Mounzao? Non. Il y a peu de mouvement révolution, il y a peu de l'idée qui a véhiculé, il y a peu
bataille cap menée là parce que vous sentez le système en danger. Nous ne pouvons pas prendre la provocation, nous ne pouvons faire aucun mouvement examen. Moi, je dis, son révolution pacifique et objectif, c'est prendre pouvoir pour nous transformer structure l'État haïtien. Pour nous faire l'État plus juste, qui plus égalitaire, côté monde qui vivent tant que monde avec dignité. Et côté blanc, surtout ambassadeur en Haïti, il y a connu que Haïti réellement son pays souverain et libre. Yes. Mais Guy, depuis un bon temps là, et que le terrain international là, que le classe politique là, manipule les populations. Ou elle là, ou t'es États-Unis en prison, autant d'elle, autant des mouvements qui fait contre Petro-Caribe, pile monde qui prend la rue, comme pile manipulation en fait. Parce qu'on dit tête ou, peuple ça après le prend la rue vrai pour faire une révolution, pour mettre retirer. Pour bataille contre le système là et puis mettre en l'autre. Oui, bah c'est ça. Bah c'est ça, ça moi elle est mal gonaïve, ou bien elle est mal tigouave, ou bien elle est mal wanamet, ou bien elle est mal au prince, ou bien n'importe côté mien, ou bien elle est Jérémy, dans Grandas, ou bien au Kay, moi que peuple après. J'en peuple à recevoir, j'en peuple à accueillir, j'en le suivre moi, par rapport à l'idée que nous avons véhiculée, Haïti que nous disons à Baïwa, peuple après pour une révolution. Si ce n'est pas structure, répression, mettez dans le prince là, puis ambassade américaine, avec élite noire, mettez. Fait police à venir tout le monde, milice politique. Fait l'armée d'Haïti, venir tout le monde, l'armée coupion. Bon, bien entendu. Et Jean fait là, et où est son équipe sans figure, qui a dirigé l'armée, on l'a que les États-Unis t'es humilié. Et je fais passer tout ça, on fait écraser, démobiliser. Pour aujourd'hui, pour nous, c'est mon qui a suivi. Donc, on peut comprendre qui est-ce qui est en tête l'armée ça. Donc, on a contrôlé toute structure de répression, on a contrôlé toute activité criminelle dans le pays, on a gagné tout l'argent, et surtout, on a contrôlé la presse. La presse haïtienne, c'est un premier responsable ça n'a vu aujourd'hui là. Parce que la presse n'a pas jambé en presse qui est au service pays. Moun sa kap essayer kap bay kap faire opinion, kap jouer avec opinion moun, parler dans radio ça ou dans télévision, yo pas faire travail yo. Yo pas faire aucun bagage, yo pas éduquer peuple là, yo pas aider peuple à comprendre réalité. Bon, bien entendu, on connaît que la presse ta pour le vivre, c'est tirer réclame. Et qui est-ce qui va réclame là? C'est bourgeois yo, moun corrompu yo, qui est-ce qui va réclame là? C'est l'État. Corruption, qui est-ce qui va le réclamer ou bien faire le fond? C'est l'ambassade. Donc, c'est le fond qui a mené. Et heureusement, bon Dieu, des médias qui les médias en ligne. Yeah. Si pas de médias en ligne, ou est-ce qu'on est tombé? Donc, c'est ça. Son système qui raide, son système qui est puissant, son système qui est organisé, même pour garantir, n'a pas démantelé, n'a pas mis la tête. Pour nous finir cette question, ça, engagement, pas changé. Donc, le pape Jean-Michel Guy Philippe, qui est bébé ou bien qui était là dans le pistel, qui a géré ce affaire, non, on a toujours campé bataille. Bon, qui ça on monde bien le gars au film que m'a gagné déjà. Ça dépend qui sont veulent gagner, qui ça pour faire content. Moi même que me content et que m'a content en pile, les moi chaque haïtien qui a campé et puis il dit bon, nous même nous pas font pas dans pays, ça pays panne. Si mon enlève le fait de connaître le cas manger, il est à l'école. J'ai un garçon fini, prêt dans l'université, là va prendre salvé pour bien prendre l'école technique, là va prendre salvé pour venir servir pays. Que m'a content, les moi Haïti va un grand goût encore. Les Haïti nous même nous campé devant ambassadeur américain nous dit faire un bouchou là un pays souverain il y a photo dehors sous parler trop dans affaires politiques Haïti. Donc même c'est Guy Philippe soit toujours jeune et puis à l'âge moi comme il m'était m'a dans ville non vous pensez que m'a négocié l'amour peuple moi que m'a back up peuple ça bam là actuellement que la diaspora que là pensez que m'a négocier pour un privilège pour combien de temps pour 10 ans combien m'était merci un peu pas inquiète. Et voilà, compatriotes haïtiens frères, nous souhaitons porter pour vous une interview en exclusivité que Abed JL Universe lui-même l'a fait avec ancien sénateur Guy Philippe qui continuait à bataille, qui continuait à adresser la peuple haïtien pour bataille contre le système, pour révolution. L'huile n'a mette dans moteur révolution, l'huile n'a mette sous différentes révolutions. Pour nous rester attachés avec la bataille, parce que Haïti n'est pas carré comme ça. Compatriotes haïtiens frères, il est extrêmement important pour nous comprendre que journée aujourd'hui, à côté pays en pralé, et oui, son complot, oui, on planifie, oui, on manigance, tout ça qui a passé, là, il y a des responsables. C'est pour un bon matin, nous, on y crée, nous lever, nous, on paye, on dégringole. C'est pour un bon matin, nous lever, nous tendez, Haïti, tout gang, ça y est. Gang yo gon kote yo commencé, gang yo gon route yo fait, gon chemin yo fait, gang yo gen des série de moun ki derrière yo, gang yo gen des série de moun ki ba yo tete, gang yo gen des série de moun ki finance yo jusqu'à ce que yo autonome peut-être pas yo.
Autonome, yon autonome, peut-être pas, yon compatriote haïtien frèchèm. Yon vini tant que des mercenaires, mais ça pas veut dire pour autant. Si ambassadeur après le yon, si des séries de gros bras sous scène internationale la contacte yon, ça pas veut dire pour autant yon pas couper, ça pas veut dire pour autant yon pas faire job, ça pas veut dire pour autant yon pas émission. Donc, je vous dis, nous supposons remettre sous table le fait que Vite l'homme confie à CNN, li participer dans l'opération ambassade américaine t'a monté pour récupérer des pouilles deux jeunes américains qui tombaient en babal bandi dans l'ison. Si la presse américaine ka confirmé nouvelle, donc jounen jodi an la, ou pral santou gêné, ou pral santi fòk ou met an babouket nan boujou pour dire effectivement que ambassade américaine en complicité avec bandi yo qui yo même yo fa yo non seulement vin touye américain yo mais yo facilité jwenn cadavre jwenn dépouille yo. Et pourtant c'est même yo même qui toujours gon politique d'ailleurs même dans film sous les livres sous politique américaine surtout sous activité terroriste dans Moyen-Orient dans Proche-Orient ou après département d'état américain gon formule yo dou on ne négocie pas avec les terroristes même dans film yo yo toujours apaisé fourrer dans zo boîte tout on ne négocie pas avec les terroristes on vite l'homme innocent qui gagne 2 millions de dollars américains FBI mette de elle comme prime sous tête li et puis c'est même vite l'homme ou tande ambassadeur le ki allo vite font bagay pour moi non font bagay facilite jwenn depouy yo quelle honte donc là n'a comprendre si nous c'est grand timoun si je nous l'ouvri si nous comprendre si nous besoin comprendre ça qui a passé en Haïti yo gardez réellement qui est ce qui derrière yo gardez réellement qui est ce qui gen facilité pour parler à gang yo. Qui est-ce qui a facilité pour contacter bandits et puis on comprendre réellement le bandit a monté volume nan, le bandit a touyé moun, le bandit a déstabilisé, a crasé pays, a boule pays. Dites tout, si on seulement te bandit a calé, a fait toute violence ça, toute victime ça yo. Et puis le lendemain yo calme, yo pose, une semaine après yo pose. Qui est-ce qui derrière yo? Qui est-ce qui te dit yo monte volume nan? Qui est-ce qui dit yo mette ti de l'eau dans divin yo? Et puis n'a comprendre que en Haïti ça k'ap passé là, c'est pas bagay comme ça, bagay yo gen moun derrière yo, bandi yo gen bras derrière banan yo tout bon. Le gouvernement déstabilisé nou c'est bandi k'ap déstabilisé, ou ap comprendre. Ou ap comprendre, gade tendance internationale là, gade tendance corps groupe, gade tendance binu, gade tendance opposition politique là et puis gade tendance bandi yo. Le gros pouvoir international l'a supporté, gade tendance bandio, gade tendance opinion internationale là et puis on comprendre ça que fait pouvoir marcher bientôt. Tout ça qui a passé en Haïti, compatriotes haïtiens frèchèm, l'international impliqué là-dedans, États-Unis impliqué, pays corps groupe impliqué là-dedans et journée aujourd'hui si nous voulons réellement notre 30 ans, 40 ans, 50 ans parler de justice sociale. Parler de équité, si nous voulons dans 40 ans parler de stabilité, si nous voulons dans 40 ans parler de progrès économique, si nous voulons parler de développement de notre pays, nous, eh bien, faut nous couper fâché avec le système ça. Mais malheureusement, compatriotes haïtiens frèchèm, gros démarche là, moi, et classe politique là, fait gros démarche là, que même monsieur et dame ça, qui en dedans, et conseil présidentiel transition, yo a fait là, Gary Conny qui rive dans tes pays, Gary Conny, il pas on sait pas ça. Il pas ton sait pas ça qui fait journée aujourd'hui à Gary Conny là. Malgré opinion publique là très divergée, yo divisé par rapport avec est-ce que Gary Conny capoter résultat par rapport avec souche politique Gary Conny, est-ce que Gary Conny pral vin tirer revanche PHT Calavalas, qui ça Gary Conny ka offri. Mais il est extrêmement important pour nous attendre rapidement avec moi. Qui ça réellement comme explication comme d'état au conseiller président bail conseiller président Louis Gérald Gilles docteur Louis Gérald Gilles li a bail sous ça qui poussait au choisi Gary Conny. Est-ce que Gary Conny c'est lui-même qui t'a gagné meilleur exposé hein? Est-ce que Gary Conny c'est lui-même qui t'a pire rassembleur? Est-ce que Gary Conny c'est lui-même qui t'a gagné plus bel programme etc. Gary Conny là pas un hasard. Et si nous suivons politique, si nous matons en politique, compatriotes haïtiens frèchèm, ou pral ka déceler dans la déclaration de Dr. Louis Gérald Gilles, que tout ça qui a fait là, yo a Gary Conny, c'est des séries de bagay qui te
prévisible. On nous a regardé et tendu ensemble. Du Bélizère, c'était Fritz Bélizère, Paul-Antoine Bien-Aimé, Gary Conny, Rodolphe et Joisil. Non, avant Rodolphe, c'était, Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. On a fait ça par ordre alphabétique. Mm-hmm. Mais c'est là comme ça, là, nous tendons tous les cinq, nous parlons avec eux. Moi-même, personnellement, je suis un petit tiraillé parce que... Pour quelle raison? Parce que j'ai dit, premièrement, je reconnais la compétence de ces cinq, de ces cinq intervenants. L'ingénieur Fritz Bélizère, par rapport à Jean Nouyen dans CPA, il y a des CP nous étions très proches de lui, par rapport à des CP que nous avons une relation tissée avec lui, et aussi sans son expérience, l'ingénieur Fritz Bélizère. Il y a eu l'intervention, l'exposé de Paul-Antoine Bien-Aimé, a été vraiment magistral. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que son monde qui peut apporter beaucoup. Qu'a-t-il payé en... C'est sérieusement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Paul-Antoine Bien-Aimé, intervention magistrale. Et après Paul-Antoine Bien-Aimé, il y a eu Gary Conny. Il a eu à faire son exposé par Zoom. Et c'était encore... Tout le monde connaît sa capacité de communication. C'était encore une exposé tout aussi magistral. Et on se disait, parce qu'on doit reprendre après, c'est Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. Après avoir entendu Paul-Antoine Bien-Aimé et Gary Conny, on s'était dit, bon, qui ça Didier avec Roro pour le dire encore pour convaincre nous? Parce que ces deux-là, nous étions presque retsouyo. En effet, Didier Fils-Aimé a eu aussi une très bonne intervention qui connaît bien. Il a surpris, non? Il nous a surpris. Mm-hmm. Les deux nous ont surpris en parlant de Didier Fils-Aimé et Roro Joisil. Donc, il y a eu ces cinq et prétendants que moi-même, moi, jugé que c'était vraiment important de constater comment. Bon, je regrette que Gérald Germain, même d'un petit raillard, parce que moi-même, j'ai favorisé. À ces personnalités que je connais qui de grande importance. Excusez-moi, je dis en créole, c'est mieux. Moi-même, personnellement, j'ai été facilité et Gérald Germain, et Paul-Antoine Bien-Aimé, et Didier Fils-Aimé, et Gary Conny, sans oublier Fritz Bélizère. C'est des mondes que j'ai été personnellement, j'ai été capable, j'ai été facilité que j'ai rencontré plusieurs CP. Tu vois? Donc, c'est la situation, on était un peu tiraillé. Mais tiraillé, même qu'on est que, et pas question de le meilleur gagne, quand même, son vote libre allié. Mais on, nous t'es dit, tête nous, au lieu de vote, on voit comment nous avons fait bah, arriver le consensus plutôt. On peut faire le plus rapide, mais pendant que ce vote là, monsieur le conseiller président, nous pas arrivé voter, nous choisir. C'est qui ça, Gary Conny, qui a gagné en plus? Mon Dieu, qui a dit qu'il était très bien exposé et dans le moment que nous avons interviewé. C'est qui l'élément qui démarque Gary Conny de tout l'autre prétendant? Mon cher, c'est une question difficile. Difficile parce que la difficile pour moi, pour une réponse nette. Mais il faut reconnaître une chose. Gary, son ancien premier ministre, Gary est en fait expérience li. Vous comprenez? Et mon cadeau que par rapport à caractère qu'il a démontré comme premier ministre, même si c'était quoi, c'est 3 mois ou 4 mois que Gary était passé, et par rapport à expérience li avec l'international, c'est ma bonne moi-même raison, je me sentis qu'il vient influencer nous tous. C'est parce que Gary, qu'on le veut ou non, il a une bonne expérience. Il a parlé, il a exposé, il a montré, il fait des expériences au niveau de plusieurs pays qui ont difficulté, même gens avec Haïti. Plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes, où senti que son monde qui a assez plusieurs cordes dans l'arc pour le permettre de nous sortir dans la situation. Et en plus de sa compétence. Moi-même, son monde que je connais depuis jeunesse, moi. Mais en même temps, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que, qu'on le veut ou non, dès le départ, c'était un grand favori pour le remporter et poste premier ministre.
mais on ne lui a pas rendu la vie facile pour ne pas mettre en tête lui que ouais, tout le monde courait ballon blanc. C'est tout de suite. Non. Au contraire, il s'est bataillé, même si, malgré s'il était à distance, mais maintenant, le monde étant un village, n'est pas capable, même sur Israël, de vous voulez goumen, bon, il s'est vraiment battu, il s'est expliqué avec plusieurs conseillers présidents, il s'est aussi expliqué avec plusieurs secteurs, donc il s'est, et c'est lui, en effet, je dois le reconnaître, qui t'a fait plus bataille là, parce que c'est durant un mois, monsieur tape travail. Mais il ne faut pas te paraître pour te joindre. Bagay la facile. C'est comme son plateau d'argent. Son plateau d'argent t'a pour frili parce que nous comptons compétences. C'est une. On faut t'y copier là. Parce que nous voulons nous comprendre bagay là bien. Conseil président parle, mais j'ai l'impression que le lalou attendait ou bien le lalou regarde. Il a dit, bon, ça m'a dit là. A pas m'a dit là, il sous place publique, réalité. Ya. Parce que nous avons tout doux la clé, Gary Koni, c'est lui qui te favori, c'est lui qui te guettant et c'est lui qui te favori. Donc s'il te favori, à toi ou à raison Gary Koni, c'était premier monde conseil présidentiel transition, te gen dans collimateur li, te gen dans viseur li. Mais qu'on y a posé cette question, si tout est là ça fait pour Gary Koni, compatriote haïtien frèchem. Est-ce que son c'est pas hasard? Est-ce que c'est un simple hasard alors que même Louis Gérard Saldou chaque conseil chaque premier ministre bien chaque monde qui vient participer dans l'entrevue vient faire exposer politique yo ça yo gagne comme vision pour mener pays youn autant que l'autre yo t'es bon conseil présidentiel là t'es satisfait mais Gary Koni là lui-même son bagage à parler OK n'avance bête de travail mais il était important pour quand même de faire face à d'autres concurrents. Et il avait vraiment des concurrents majeurs, des concurrents importants. Dans 5 mouns, tous les 5 ans, tu es capable vraiment premier ministre. Alors, c'est Ligo qui Jean, Paul-Antoine Bien-Aimé et Patem, Didier Fizeme et Patem, bon, j'ai des rapports assez privilégiés, j'avais avec son père, et Boulon, Fizeme, c'est le père de Didier, bon, que tu ne connais pas, vu ton âge. Exactement. Vous comprenez? Mais j'étais quand même ému de voir comment Didier s'en est bien sorti. Et moi, que monsieur est bien sorti dans le débat. Moi, Paul-Antoine Bien-Aimé, Bélizer. Et Wowo, c'est normal. Wowo, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Tout le monde sait penser pour le bien du PSM. Et c'est même pas les 5. En dedans, même 15, surtout 15 derniers, nous t'es tiré. Surtout 13 derniers, on pensait que le premier ministre Gary Koni doit faire appel avec un pile là qui était là l'Islande, pour voir comment ils sont capables d'aider. Utiliser compétences. Utiliser compétences. Je pense que c'est très, très important. Et je pense que lui-même, tout l'a prendre compte de ça. Parce que l'émission a été, disons, les interventions, les interviews ont été enregistrées. Je pense qu'il a bien pour devoir pour t'attendre, capacité que nous avons gagné, pour voir les tuyaux de la réalité haïtienne. Et à ce moment-là, et l'avantage, c'est que c'est un homme extrêmement transversal qui vient avec tout secteur. Et me souhaite le bonne chance. Et monsieur est certain qu'il pourra accompagner CPA dans la bataille pour nous réaliser les 5 grands chantiers que nous avons tête nous au niveau de l'accord du temps d'avril. Mais grand pile monde par rapport à l'expérience de Dr. Gary Koni dans l'international, il y a des gens qui fait quoi que conseiller présidentiel ou bien conseiller président ou te recevoir pression, c'est international qui fait choix pour nous. Dis-nous non, c'est qui vérité gagne dans ça? Et je vais dire honnêtement, au contraire, c'est cette impression qu'on avait de. C'est feeling ça que nous avons gagné de Gary Koni qui fait ça, ta gagne doit faire Gary perdu. Parce que tant que moi dis lors de l'interview, moi dis docteur Koni, je sais que je te connais depuis ma jeunesse. Tu as une forte personnalité, mais tu sais que au niveau des 9, au niveau du CP, tu vas avoir affaire à 9 fortes personnalités. Donc nous serons au niveau du bicéphale 10 fortes personnalités pour diriger le pays. Mais Gomba Galité dit. C'est la franche collaboration qu'il va avoir avec le CP. Donc, au départ,
malgré grand pile là nous qui compte compétence li dans moi-même, nous il était important pour lui remarquer au lieu de international, au contraire ça a été créé un petit désavantage pour lui. Parce qu'on s'est dit que c'est l'international qui va imposer, gagner. Ouais. Donc, on voulait lui faire comprendre que ce n'était pas aussi facile. Et parce que c'est d'abord une crise haïtienne qui doit jouer nos solutions haïtiennes. Ouais. Ça, okay. C'est clair. Mais attention, face à la compétence de l'homme, et moi-même, Mabdil, personnellement, moi, je connais, c'est une bête de travail. Ça, c'est pas, il n'y a aucun doute là-dedans. Il y a un compte de doute parce que entre jeunesse et vieillesse. Donc, il y a une fougue assez pour la mettre ensemble avec nous au niveau du CP pour le faire travailler là. Donc, on a passé outre de ça. Maintenant, si ces relations internationales peuvent aider, ce serait aussi une très bonne chose. Pour le pays. Pour le pays. Parce que, qu'on le veut ou non, l'international est un acteur clé. Est un acteur clé. L'échec maintenant de la transition. Ça va être aussi l'échec de l'international. C'est pas parce qu'il a un ancien fonctionnaire, de l'international comme premier ministre. Non, mais aujourd'hui nous avons au niveau de la gouvernance de cette transition tous les acteurs clés de la crise haïtienne. Et ceci, c'est l'international qui fait médiation entre nous-mêmes, pour permettre que nous, rejoignons, ça nous joigne comme consensus. Et c'est une très bonne médiation, c'est une très bonne chose, m'appuyer vraiment, gens internationaux, à permettre que nous jouions nos solutions entre nous. Le CP fonctionne jusqu'à présent très bien, malgré ce temps des mundi, et nous espérons que le docteur Kony va se mettre avec nous, et nous aussi, nous devons nous mettre avec lui, pour éviter toute clash inutile, pour nous permettre de nous accoucher ça, parce que maintenant, toutes les parties prenantes de la crise, y compris l'international maintenant, sont prises, y'ont là la gouvernance là. Donc, c'est quel que soit le monde qui échoue, après, c'est nous tous. Et nous tous, c'est-à-dire les partis politiques importants, les secteurs importants, le secteur privé était là, est là, la société civile est là. Donc, on pensait que Jodian, l'international aussi est là, et me penser que Gary a la chance d'être quand même le trait d'union entre tout ça, puisque qu'on le veut ou non, vu son histoire dans le pays et aussi sa famille, donc c'est un monsieur très patriote qui connaît bien aussi la mentalité haïtienne, qui a fait aussi, il y fait tout certaines expériences dans le pays, donc me penser il va donner le meilleur de lui-même pour le bien du pays. Et aussi, nous, du CP, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous faire transition, ça réussir. Voilà. Compatriotes haïtiens fraîcheur, nous sommes le Dr. Louis-Gérald Gilles, qui lui-même, lui tabaille un petit détail sous motivation yo, par rapport avec le choix Dr. Gary Kony comme nouveau premier ministre transition. Quoi qui est extrêmement important, le dit. M'bal raison parce que journée aujourd'hui échec conseil présidentiel là c'est un échec international là, parce que n'a pas d'accord avec moi conseil présidentiel transition c'est petit international là, c'est États-Unis c'est CARICOM qui a accouché et lui vraiment pointilleux sur le fait que soit Gary Kony t'es capable d'y penser parce que t'es gagné en perception c'est acteur c'est joueur international là mais Levin essaie rattraper ça il t'a dit auparavant que Gary Kony puisque Gary Kony lui gagné en expérience avec international là tant le passé dans Nations Unies etc et chaque conseil présidentiel là si Gary Kony pas arrivé délivrer marchandise c'est un échec international là. Donc là, on a conseillé président et vérité que le bail, raison que le gagne compatriote haïtien frèchem, parce que là, pouvoir exécutif, soit exécutif qui téléguide, qui monte, qui crée, qui prend naissance avec international souterrain et à distance, choix Gary Kony, son choix à distance, journée aujourd'hui, Gary Kony, il rentre dans le pays, nous te gagne image, on te montre nous.
Donc, n'a fini par comprendre, compatriotes haïtiens fraîchem, que international là, yo même yo gon bagay y a planifié, yo gon bagay y a manigancé là, et très bientôt semaine là qui commence ya, nous pral gagner déjà là, gouvernement qui pral mettre campé, lis non moun qui pral commencer circuler sur réseau à Saint-Tel, mais attends, gen moun ki gen gros attente par rapport avec Gary Koni. Pour qui ça tout attente ça par rapport avec Gary Koni, compatriote haïtien fraîchem? Eh bien, Gary Koni qui sorti non famille qui gagne idéologie duvalierista, duvalier rouge, papa Gary Koni, Serge Koni ancien ministre et administration duvalier père François Duvalier. Eh bien, idéologie Duvalier rouge, idéologie Duvalier te fait vina avec le François Duvalier te vini, te prend pouvoir. Kote que, yo te kwe nan justice sociale, yo te kwe, et fok malere, malerez, fok moun ki pi ba yo, fok yo ka manje, fok yo gen l'école, fok ge travail ki kreye. Et c'est dans kote que ça, le Duvalier te fait prend pouvoir, compatriote Haïti Fresham, nous wè au moins plus ou moins Haïti te sou un rail, Haïti te sou un route. Pays a commencé à aller vers le développement, pays a commencé à aller dans une route côté que même moun qui était plus faible, plus ou moins te ka manje, plus ou moins te ka bay petit pi manje, petit pi te ka l'école. Parce que l'idéologie du valériste, c'est salteye. Accompagner moun ki pi faible yo, ou créer opportunité, ouvrir des clivages côté que moun sa yo ki nan situation difficile yo, yo ap ka plus ou moins répondre avec besoin yo, mais qui sa vin rive? Qui sa vin rive, compatriote Haïtien Fraîchem? C'est comme si l'idéologie du valériste devye. L'idée vient journée jodi a nou vin wè gon poisson krasé nan bouillon PHTK an dan PHTK gren des série de moun ki de souche du valériste même gens ou ap gade journée jodi an la an dedans conseil présidentiel lan son spaghetti ou ap jwenn PHTK allié ou ap jwenn Lavalasse allié ou ap jwenn des série de l'autre clan politique yo même qui a peine vini mais si vous regardez en bas, vous avez toujours joué soit c'est Lavalasse, soit c'est Duvalier, etc. Duvalier, etc. Donc, je vous dis à compatriotes haïtiens fraîchem, les gens qui mettent espoir sous Gary Koni, c'est parce que vous dites peut-être Gary Koni est venu, il délivre marchandise parce que pas oublié, et expérience qui fait avec Maté, Lio, etc. Tu qui ton roi mère, et bon. Peut-être qu'il a venu comme en deux dans le conseil présidentiel. C'est majoritairement PHTK et puis Lavalasse. Bon, il est venu pour le chavirer bagaille dans ce spal. Si vraiment t'arrêter attaché avec valeur idéologique, papa t'a inculqué, t'a grandi, etc. Mais pas oublier, compatriotes haïtiens fraîchem, nous pas qu'à mettre paysan, nous pas qu'à confier bac paysan sous, comme te ka dit ça, sous perception ou bien sous espoir que un tel pas. N'y a espoir un tel qu'a pas changé, oui, valeur papa te balia ou qu'a toujours dans lit, etc. Non. Nous pas qu'à mettre changement paysan, espoir paysan, la vie 11, 12, 13 millions haïtiens sous yon perception, non. Joune jodi an nou bezwen moun ki ka agi, nou bezwen moun réellement ki ka kampe, ki ka defann peyi an devan international lan, devan ambassadeur yo, devan konsul yo, moun ki ka bayi ajan akte international yo limit yo, koupe fache ak ingérence, koupe fache avec dikte blan, c'est ça nou bezwen pou peyi an. Mais tout temps ça Gary Koni passé de yo dans cabinet Clinton déjà question là je sais hier après 2010 ça bagaille ça qui était en gros mais dans bouche nous rentrer dans administration Matéli li gagné et question coup des contre rapport corruption qui ton l'autre gros mais qui ça nous ca espérer point d'interrogation mais cependant gros grain bagaille pour nous connaître nous pas là pour nous prier pour bateau couler avec personne monde. Parce que si bateau a coulé, il pas coulé avec conseil présidentiel transition. L'a coulé c'est bateau pays qui a coulé, c'est nous tout qui a coulé là-dedans. Parce que journée aujourd'hui, si on arrive à délivrer marchandise, gain stabilité, gain sécurité, moun ka circuler, diaspora ka rentrer Haïti sous rail développement sous rail stabilité, c'est pour tout le monde là bon. C'est pour chaque grain haïtien là bon. Donc journée aujourd'hui, le peu qui ka gagné, le peu qui ka fait là, c'est pour au moins gagner des séries de monde qui compétent, qui valable, qui crédible,
qui t'a fait partie de gouvernement ça et essayer délivrer un bagage positif pour peuple haïtien pour nous sortir dans misère dans insécurité dans malabou dans ça n'a vivre journée aujourd'hui. Donc c'est ça nous même n'attendre et c'est ça chaque haïtien qui conscient doit veiller dans moment n'a parler. Compatriote haïtien fraîcheur, c'est là n'a mettre en bout dans émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour nous te partager moment si là avec vous. Restez connecté à channel là pour reste programmation. Rendez-vous à l'occasion dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, quand dit ça, ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial, entre désespoir, de machination politique, et l'énergie, mon éditorial, c'est tout. Mon éditorial, et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique, comme dominé pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si nous dit pour y faire votre vie, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Bon là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Pour aller faire des bases, c'est toujours même Yannick Lan, même voix.